Très bien, je vais déjà passer la parole à Mireille Huguenard qui nous accueille pour cette soirée. Merci Bruno. Donc, il me revient de vous accueillir au nom de la faculté de théologie pour cette soirée qui est organisée sous l'auspice de la chaire Jean Rodin. Donc, la fondation Jean Rodin étant cette fondation qui finance la recherche sur ce qu'est la charité. Qu'est-ce que ça veut dire aimer finalement dans... Et comment est-ce qu'on peut vivre cela au quotidien? Avec spécialement pour notre soirée, nous avons choisi de nous interroger sur cette question-là dans le cadre de la vie économique et plus spécialement du monde professionnel. Donc comme vous l'avez vu, cette soirée va se passer d'une façon un petit peu particulière. On la voulait originale, peut-être ça a fait fuir certains, on ne sait pas, mais ceux qui seront là, j'espère, nous serons heureux de ce que nous vivrons ensemble et c'est ça qui est important. Donc je voudrais en premier lieu remercier ceux qui ont contribué à cette soirée. Je vais commencer par les étudiants qui ont accepté de venir plancher pour... Alors il y en a qui n'ont pas tellement eu le choix puisqu'on les a convoqués dans le cadre de notre cours, Dominique Ouattanea et moi-même. Mais après il y a eu un travail à faire et vous allez en voir le fruit incessamment sous peu. Remercier aussi Arnaud Alibert, qui est l'aumônier de la Cato, qui a aidé les étudiants à reformuler leurs propos et qui va nous aider dans la première partie de ce procès, qui va nous servir de greffier au long de cette étape. Je remercie aussi particulièrement les personnes de l'antenne sociale et tout ce que ça a mis en route, je pense, entre nous, de nouvelles initiatives qui vont sans doute aussi déboucher sur d'autres moments. Pour essayer de, sur la place de Lyon, au moins, et peut-être un peu plus largement, parce que je ne sais plus, d'autres viennent d'ailleurs, essayer d'aider à réfléchir cette question de la doctrine sociale de l'Église et de sa manière, de la manière dont elle peut, j'allais dire, être opérationnelle, nous servir quelque chose à nous comme chrétiens dans le concret de notre vie et spécialement de la vie économique pour ce qui est ce soir. Voilà, merci aussi à Dominique Ouattanea, ma collègue avec qui j'ai beaucoup travaillé pour cette soirée et qui a beaucoup contribué. Et puis nous allons avoir des intervenants divers que je vais laisser Bruno présenter. Donc Bruno, que nous remercions aussi pour assurer le fil rouge de cette soirée avec le mérite que l'on sait quand il s'agit en plus au dernier moment de se dire eh bien, nous allons adapter notre manière de faire. Manière de faire que nous avions longuement peaufiné, mais c'est ça la vie, non? Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Alors donc à partir de maintenant, nous allons endosser des rôles de façon à ce que nous puissions procéder aux différentes phases. Donc dans un premier temps, il y a une phase donc plutôt de procès. Donc parmi les rôles qui vont être joués, nous avons donc le père Arnaud Alibert, qui ça a été dit, qui va jouer le rôle du greffier, qui va se mettre derrière le pupitre rouge et apporter des petits compléments visuels à l'ensemble de la discussion qui sera portée. Ensuite, nous avons Jessica et Yao qui feront une sorte de réquisitoire en s'appuyant sur des témoignages pour contester, critiquer, assaillir de reproches la vie professionnelle. On va voir un petit peu ces aspects-là. Moi, de mon côté, je serai le juge, c'est-à-dire je reste un petit peu en retrait. C'est surtout en fait, pour bien animer, mais... je vais être très vigilant aussi sur les arguments qui me seront présentés pour rebondir, relancer les interventions. Et puis, vous avez votre part à jouer, puisque vous serez le jury populaire. D'accord ? Donc, dans cette première phase de procès, on souhaite aussi, et c'est l'avantage là du coup de ne pas être trop nombreux, que chacun vraiment donne un petit peu son ressenti sur cette première petite partie où on est plus dans un cadre de procès avec un réquisitoire qui est mis en place par les étudiants. Et ensuite, on passera à une deuxième partie. Là, dans la deuxième partie, eh bien, on aura un apport d'expérience donc Bernard Fenoglio, qui est donc pour l'instant dans les rangs cachés, qui se manifestera tout à l'heure, et puis Patrick Dancer aussi. Voilà, deux professionnels. On attend Catherine Jourlin, mais donc je ne sais pas encore si elle a eu un empêchement ou on verra. Voilà, donc deux intervenants professionnels qui pourront faire part de leur expérience aussi par rapport au sujet. Et à partir de là, on aura déjà énormément d'éléments pour se faire une première idée. Donc c'est là que, là encore, il n'y a pas d'hésitation, surtout pour que chacun participe, donne un petit peu ses avis, ses réflexions. Et puis nous aurons sur la fin plutôt une troisième partie,
un aspect un petit peu de bilan, où nous aurons donc Mireille et Dominique qui feront une petite synthèse de tout ce qui aura été dit, de ce qu'on peut retenir, de ce que la doctrine sociale de l'Église peut apporter. Voilà donc Catherine qui nous rejoint. Parfait. Donc nous avons nos trois professionnels pour la deuxième partie du procès. Voilà donc, moi je vais m'asseoir ici, un petit peu jouer le rôle du juge, président de séance, et je vais donner la parole au procureur. On a le deuxième aussi, on a le deuxième, c'est parfait. Yoa et Jessica, la parole est donc au ministère public contre la vie professionnelle. Alors pour commencer, ce réquisitoire qui en fait est un plaidoyer en faveur d'une vie professionnelle épanouissante, je vais commencer par vous exposer notre vision d'un monde du travail, d'une vie professionnelle idéale. Financièrement, ce travail nous rapporte suffisamment pour vivre, quel que soit notre statut dans l'entreprise, quel que soit notre type de contrat, qu'on soit en CDI, en CDD, en stage, en temps partiel. Sinon, il nous plonge dans la précarité, cette précarité qui est nuisible à notre santé, autant physique que psychologique, et qui à terme nuit à notre performance au travail et qui est préjudiciable à tous. Cette rémunération doit aussi être juste par rapport à notre effort. Donc le temps passé au travail, les efforts passés à acquérir des diplômes, la pénibilité du travail. Sinon, il crée une frustration et s'ensuit une perte de motivation qui est également préjudiciable. Sur un plan social, ce travail, cette vie professionnelle idéale nous permet d'occuper une fonction dans la société. En fait, notre métier est structurant pour notre identité, mais aussi pour notre mode de vie. Il nous impose des horaires, il nous crée un réseau professionnel. C'est aussi lui qui détermine quels intérêts nous aurons à défendre. Et si notre métier n'est pas valorisé par l'ensemble de la société, eh bien, il est perçu comme inutile. S'il est perçu comme inutile et superflu, eh bien, il ne donne pas de légitimité en tant que citoyen. Et en ce sens, on peut dire que le travail est vecteur d'intégration sociale. Cette vie professionnelle épanouie nous sort de notre sphère privée. Elle crée de nouveaux types de relations. Elle nous apporte une ouverture sociale. En ce sens, le travail est facteur de lien social et de mixité sociale. Ce travail est aussi seulement une partie de notre vie. Il n'est qu'une dimension de notre existence parmi d'autres. Nous avons aussi une vie familiale, une vie sociale, une vie associative. Et le travail ne doit pas avoir une tendance totalitaire. Il ne doit pas nous imposer trop d'heures, trop de stress, qui finalement mènent à la dépression et au burn-out. Pour notre bien-être psychologique ensuite, il faut que ce travail valorise notre singularité, notre personnalité, nos capacités, nos connaissances, nos compétences, nos valeurs, nos projets. Sinon, on en est réduit à n'être qu'une ressource humaine, un élément de la masse salariale. Et si je sens que je suis interchangeable avec un autre travailleur, alors j'ai constamment peur d'être remplacée. En fait, la vie professionnelle épanouie est basée sur la réciprocité. Le travail nous demande fidélité, engagement, mais il doit nous donner aussi la même chose. Il doit nous accompagner dans notre vie. En cas de mariage, d'enfant, de maladie, ou aussi de désir de reconversion ou d'évolution professionnelle. Il doit respecter le cours de la vie et non infliger une rigidité enfermante et clivante pour l'individu. Notre intellect, ensuite, doit être stimulé, dans le sens où notre travail doit nous plaire, il doit nous motiver, il doit nous apporter un épanouissement personnel, en favorisant la créativité, l'initiative, l'engagement, le dépassement de soi. Et enfin, pour nous satisfaire humainement, moralement, il doit avoir une finalité, une utilité sociale, qui soit en accord avec nos valeurs humanistes, religieuses, voire politiques.
Les valeurs de l'entreprise et du secteur, ainsi que leurs pratiques, doivent être en harmonie avec les nôtres. Donc, à contrario, on peut dégager des craintes, les craintes qui sont celles des jeunes professionnels, des étudiants que nous représentons. Les craintes de ne pas être acceptés tels que l'on est, donc avec notre couleur de peau, notre âge, notre origine sociale, notre situation familiale, nos qualifications, nos goûts, nos projets, nos aspirations. Il y a aussi la crainte de ne pas se sentir reconnu, valorisé dans ses capacités, dans ses aptitudes, ses qualités humaines, bref, sa singularité. Et enfin, la crainte de ne pas se sentir utile, notamment si à l'issue de nos études, eh bien, on ne trouve pas de travail, on est au chômage, alors on est exclu de la société et d'une certaine manière aussi, on peut se sentir exclu du débat citoyen. Bref, le rapport des jeunes au travail, particulièrement dans ce contexte d'insertion professionnelle difficile en temps de chômage, est anxiogène. En fait, on a la crainte de devoir faire trop de concessions si l'on veut pouvoir vivre décemment. Donc on risque de perdre sa moralité, son unicité, son identité. On risque d'être transformé, de perdre le contrôle de sa vie, voire d'être pris en otage ou carrément aliéné, d'être instrumentalisé. On se pose la question de savoir si le travail ne risque pas de devenir le tout de notre vie et de nous absorber au point de nous faire disparaître. Le travail ne va-t-il pas nous transformer en un moyen en vue d'une fin qui nous est étrangère et à laquelle nous n'avons pas consenti ? Donc pour compléter mon analyse, je cède la parole à mon collègue Yao. Merci Jessica. D'abord, je savoure encore davantage cette belle description que venait de nous faire Jessica, ma collègue Jessica, sur cette beauté, voilà, de ce que c'est que le travail, en fait. Et en nous montrant bien cette nécessité, justement, du travail, au-delà de nos attentes et de nos craintes, et en nous précisant bien, voilà, ce que c'est que ce travail, ce que ça nous apporte, nous, personnellement, qui font le travail, l'individu personnel qui fait le travail, dans toute sa charge, on va dire, constructive et structurante pour la personne qui les aide, et même au regard même de l'optique sociale, la partie juge. Je m'en vais juste qu'on puisse regarder sous un autre angle, en fait, cette question qui nous rassemble ce soir, qu'on voit bien écrit là, la vie professionnelle au défi de la charité. Comment est-ce que nous sommes aujourd'hui appelés à regarder ou à vivre sous un autre regard, dans une dimension, je vais dire, proprement d'éthique sociale, et spécialement au regard de la foi, au regard de nos convictions personnelles, au regard de ce que nous portons en nous, qui nous permet d'avoir cette hauteur, d'avoir cette ascension, en fait. D'où, voilà, cette grande question, aujourd'hui, la vie professionnelle, au défi de la charité. Je m'en vais simplement d'abord, pour commencer, que nous écoutions le témoignage de Cécile. Donc le témoignage de Cécile, il fait partie de plusieurs témoignages qui sont dans le numéro de Panorama qui est disponible juste ici. Donc c'est le numéro de Panorama de février 2015. Alors que vous pouvez trouver page 21. Alors je vais vous relater le témoignage de Cécile, qui est une sage-femme de 27 ans et qui est à présent à la recherche d'une autre manière de vivre sa vocation. Alors, elle a été bouleversée par la pratique des IMG, donc c'est les interruptions médicales de grossesse, qui sont pratiquées fréquemment en milieu hospitalier. Et elle s'est rendue compte que son emploi l'a confrontée à des situations qui étaient trop éprouvantes pour elle, psychologiquement et moralement. Je la cite. « Je sais que ces femmes vivent une réelle détresse, mais je me sens incapable de les accompagner avec la compassion nécessaire. » Cela aurait sans doute du sens, mais je n'y arrive pas. Si nous écoutons bien le témoignage de Cécile,
Elle dit bien que cela aurait sans doute du sens, mais elle n'arrive pas à les aider. Est-ce à dire que la vie professionnelle rivalise-t-elle ou supplombe, je vais dire, les valeurs propres de la charité? Cette charité qui nourrisse nos convictions chrétiennes, ou bien ces valeurs, bien sûr religieuses, je vais dire, aident-elles à vivre la vie professionnelle de manière équilibrée? Ça, c'est une question que je vous lance comme ça et j'essaie de réfléchir avec vous. Et on verra par la suite que les témoignages vivants des personnes qui sont confrontées à cette question nous révèle que la question, en fait, n'est pas aussi facile que ça. Être confronté à ces questions dans un milieu professionnel, avec les convictions fortes qu'on porte en nous, religieuses, et confronté à certaines de ces pratiques, des fois, on n'arrive pas à faire sortir la tête. Je vous invite à suivre maintenant le témoignage d'Alexis. Alexis est un employé du domaine bancaire, il a 28 ans, et tous les jours, il quitte son logement parisien avec la même interrogation. Dans le cadre de son emploi, il est amené à proposer des crédits à la consommation, en sachant très bien que certains clients sont dans une situation de vulnérabilité financière dont le système bancaire profite. Et il se demande tous les jours, est-ce bien moral ? Est-ce bien moral ? Ce jeune homme, Alexis, il sait très bien que certains clients sont dans une situation de vulnérabilité. Et il sait très bien que le système bancaire ne va que profiter au fait de cette vulnérabilité de ces personnes. Alors, au regard de ça, avec cette interrogation qu'il a chaque jour, que faire quand mon métier ébranle ma foi? Voilà l'interrogation que je vous propose aussi aujourd'hui de réfléchir là-dessus. Vous savez, la plupart du temps, il y a nous, voilà, on est en études et tout, on va bientôt finir, on va chercher du travail. Et bon nombre aussi sont dans le cas avec nous. Et beaucoup de nous, jeunes, la plupart du temps, on se laisse berner un peu, on va dire, par des ambitions ou des promesses professionnelles, avant même d'être embauché dans une entreprise, on va dire. Et ce n'est qu'au cours de l'exercice de leur fonction ou de leur fonction qui se confrontent à des enjeux et pratiques cachées, miroitées, on va dire, et des fois moralement condamnables. Et il se trouve qu'ils sont en face d'un dilemme, vraiment d'un véritable dilemme. Soit ils acceptent ces pratiques, ou soit ils prennent le risque d'être remplacés par quelqu'un d'autre, qui lui, moralement, il est moins bon, il est moins gênant. Je vous inviterai à prêter attention au témoignage de Marc. Marc est cadre dans un groupe industriel et il est confronté à des pratiques cachées et douteuses comme la falsification de comptes, l'usage de faux ou de l'évasion fiscale. Et inlassablement, il résiste depuis de longues années en refusant à chaque fois de signer de tels documents. On aura l'impression de dire que, au fait, Marc, il a su jouer ou bien tirer son épingle du jeu. Parce que lui, il a réussi à résister. Chaque fois qu'on lui présente des choses, et comme il sait que ça ne rime pas avec ses convictions personnelles, il s'y oppose. Et je me demande, est-ce que nous faisons autant aussi dans nos entreprises? La question, elle est posée. Il existe aussi des salariés qui sont divisés, je vais dire, de l'intérieur. Ils sont déchirés dans leur fort intérieur, dans leur conscience. Ils ne savent plus quoi faire, au fait, Jessica. Des fois, ils sont perdus, je vais dire. Ils ne savent plus où mettre la tête parce que ça devenait tellement lourd en entreprise.
que, ne sachant pas quelle décision prendre, ils sont obligés de jouer une personnalité à double face, on va dire. Ils se cachent sous une double personnalité. Soit ils vont décider de suivre le système tel qu'il est, d'aller jusqu'au bout, soit de retour chez eux, ou bien ils vont se laver la conscience au regard de Dieu une fois qu'ils sont en dehors du cadre de l'entreprise. Et on voit de plus en plus qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette situation. Et si on est dans cette situation, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Je vous prie d'écouter le témoignage de Olivier. Oui, donc Olivier nous raconte dans Panorama qu'il évolue dans un climat détestable. Il a 36 ans, il est chargé de mission dans un groupe politique. Et ce climat en fait, de travail est caractérisé par l'hypocrisie entre collègues. Il raconte que c'est la jalousie qui a remplacé la saine émulation de la concurrence. C'est le règne du progressisme qui a sonné le glas des valeurs humanistes. Et il se bat pour tenir et ne pas tomber lui-même dans ses coups bas. Et pour tenir à la pause, il s'isole dans sa bulle. Des fois, il va au café avec une cigarette. Autrefois, il va à l'église ou ailleurs. Et il essaye de donner du sens à ce qu'il fait, même si cela se limite à de petites choses. Je vous rapporte ses propos. « Je n'aime pas mon travail, mais j'essaye de bien le faire. » J'aime bien cette partie. « Je n'aime pas mon travail, mais j'essaie de bien le faire. » Moi, j'ai tellement entendu parler des gens qui sont dans un travail. Ils n'aiment pas le travail qu'ils font, mais ils sont contraints au fait de le faire. À cause de la situation de précarité, il y a toujours des raisons. Mais ce soir, je me dis que l'occasion nous est donnée de réfléchir sur cette question. Est-ce que peut-être c'est notre cas? Le travail que nous faisons, peut-être que nous n'aimons pas du tout ce que nous faisons. Alors, si nous n'aimons pas ce que nous faisons, qu'est-ce que nous faisons derrière, au fait, pour pouvoir, je ne sais pas, la question elle est là. Moi-même j'essaie de réfléchir là-dessus, j'espère que je ne vais pas tomber dans le même cas, mais elle est pertinente cette question. Et je vous invite à creuser là-dessus. On voit bien dans tous ces exemples, ces cas de figure qu'on vient de citer, qu'on a bien vu dans le panorama, je vous inviterai d'ailleurs à bien lire le panorama parce qu'il y a d'autres exemples très intéressants à l'intérieur. On note qu'il y a une sorte de blessure. Des blessures qui manifestent, au fait, cette contradiction. Des pratiques qui se vivent dans l'entreprise au regard de nos convictions que nous portons en nous. Non seulement les convictions religieuses, mais de nos valeurs, des valeurs proprement humaines, humanistes. Et la question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir si est-ce qu'il faut demeurer dans ce genre de blessures toute notre vie professionnelle. Si cette blessure qui nous divise, qui nous déchire, est-ce qu'il faut demeurer là-dedans? Est-ce qu'il faut laisser la situation telle qu'elle est? Est-ce qu'il faut simplement suivre le système? Et si même nous évoquons le cas d'objection de conscience, l'éveil de notre conscience, notre libre arbitre, est-ce que ça nous autorise? Est-ce que nous devons permanemment demeurer dans ces blessures-là qui nous déchirent tout au long de notre vie ou bien toute notre vie professionnelle? Alors, si c'est le cas, est-ce que, entre nous, hein, si c'est le cas, est-ce que vous pensez qu'on peut connaître un épanouissement réel, authentique et humain dans ce climat de travail? Je ne pense pas. Mais
Nous allons continuer à réfléchir sur la question parce que des fois on a l'impression que c'est facile. Mais ce n'est pas du tout facile. Quand j'ai commencé à réfléchir avec Jessica sur cette question, vous savez, on se demande si les lois qui organisent aujourd'hui l'entreprise sont-elles vraiment compatibles avec l'éthique humaine, voire chrétienne. Parce que n'oublions pas notre thème, c'est la vie professionnelle au défi de la charité. Est-ce que l'homme ne se nierait pas davantage en vivant sous ce calvaire, je vais dire, professionnel, dont les pratiques ne font que creuser sa tombe? Je m'en vais vous citer un cas. Vous savez, je suis sûr que vous vous souvenez des vagues de suicides qu'on a eues en France ici un moment avec France Télécom, il y a quelques années. Mais c'est dans ces situations comme ça. Alors, messieurs et dames, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que aujourd'hui, je m'en vais vous adresser particulièrement la parole à vous. Déjà, vous qui êtes les acteurs de la vie économique, est-ce que cette question, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose de ce que vous vivez peut-être déjà? Alors, si ça vous parle, ou bien peut-être que vous-même, vous avez déjà vécu des situations comme ça. Alors, si vous avez vécu des situations comme ça, comment est-ce que vous avez fait pour vous sortir de ces cas de crise, de ces cas qui, on voit bien les témoignages des uns et des autres, qui sont déchirants, qui vont à l'encontre de nos convictions religieuses, même de nos valeurs humaines, humanistes. Si est-ce que vous aussi, vous avez souffert de ces cas de conscience? Si oui, dites-nous tout simplement comment est-ce que vous en êtes sorti. Est-ce que c'est pas la fuite? Parce qu'il y en a, dès qu'ils ne peuvent pas, ils disent, ben bon, moi je m'en vais parce que je ne peux rien faire du tout. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est pas la fuite? Ou bien, est-ce que c'est pas une espèce de compromis? Est-ce que c'est pas le dialogue? Est-ce, on va même dire, est-ce que ce n'est pas un engagement citoyen? J'en sais rien. Et je pense que peut-être c'est des situations que vous avez vécues, ou bien peut-être c'est des situations qui se présentent aujourd'hui à vous. Était-ce là des solutions satisfaisantes, tout ce que je viens de citer? Je me demande, peut-être pour vous. Mais est-ce que ce sont des situations qui vous aide à sauver votre entreprise? Ou bien c'est des situations où vous pensez que ces espèces de portes de sortie peuvent aider même vos salariés qui des fois se confrontent aussi aux mêmes problèmes et qui essaient de les remonter jusqu'à vous. Et qu'en est-il alors de la société entière, la société dans laquelle on vit? Nous voulons vous remercier de nous avoir prêté attention sur cette question qui nous tient vraiment à cœur et que nous portons vraiment en accusation aujourd'hui. Et nous voulons tout simplement vous dire merci, moi et ma collègue. Et puis nous remettons la parole au président. Merci. Merci Yao, merci Jessica pour ce réquisitoire. Alors effectivement, vous dressez un tableau particulièrement sévère sur la vie professionnelle aujourd'hui, entre d'un côté l'espoir d'un univers épanouissant, vous y opposez très rapidement et presque majoritairement l'idée que le travail peut amener à l'asservissement, que l'idée du travail peut arriver aussi jusqu'au burn-out, jusqu'au suicide, avec les exemples de France Télécom et aujourd'hui Orange. Donc à travers toutes ces questions-là, eh bien, c'est évident que le jury populaire doit essayer d'apporter quelques pierres à sa réflexion pour commencer à donner des réponses à ce procès autour de la vie professionnelle. Merci également pour vos témoignages. Donc nous avons vu que vous avez abordé aussi bien le domaine médical que le domaine bancaire, que celui de l'industrie, que encore celui du monde politique.
Donc c'est très clair que le réquisitoire que vous avez fait ici touche essentiellement, enfin, la plupart des domaines du travail. Est-ce qu'il existe des endroits où l'on peut travailler, où on peut se sentir davantage en sécurité qu'un autre? Et à partir de là, j'interroge déjà peut-être une première fois le jury, simplement peut-être aussi déjà pour poser des questions auxquelles nous n'avons pas forcément tout de suite répondre, puisque nous allons avoir encore l'apport de quelques experts pour compléter notre réflexion. Mais si déjà il y en a qui veulent manifester une réaction, un ressenti, c'est avec plaisir pour simplement alimenter la réflexion en attendant de consulter nos experts. N'hésitez pas. Très simple, hein. On prend 5-10 minutes là, pour réagir un peu. Alors, les experts, ils vont parler tout à l'heure, je ne sais pas si déjà... moi, je suis donc un industriel et j'ai dirigé pendant un certain nombre d'années une entreprise de la métallurgie et je me suis occupé du centre de formation de la métallurgie d'apprentis. J'allais vous dire, mais que foutent donc vos syndicats? Que foutent donc vos syndicats dans les conditions que vous avez décrites? Et vos syndicats, c'est vous, c'est pas nous. Donc, je crois que seul, vous ne pouvez rien faire. Il faut absolument que vous jasissiez à travers eux. Seul, vous ne pouvez absolument rien faire dans tous les cas qui ont été décrits. Mais seuls des syndicats peuvent vous défendre. Et aujourd'hui, ils ne le font pas. Posez-vous la question, pourquoi les syndicats qui sont dans vos entreprises ne le font pas? C'est fondamental. Aujourd'hui, il y a une espèce de tabou par rapport à ces problèmes qui ont créé un certain nombre de scandales. Vous en avez cité, mais je peux en rajouter deux autres que j'ai pris comme ça à la volée, hein, en vous écoutant. Le scandale des prothèses mammaires. Il y avait combien de gens qui étaient au courant dans l'entreprise en question que les produits n'étaient pas bons? Le scandale de la viande de cheval pour de la viande de bœuf, idem. Bon, il y a quand même une espèce de tolérance global des salariés par rapport à ce qui se passe. Et il est anormal que des salariés seuls ne peuvent pas agir, mais il est anormal que les salariés ne se tournent pas vers leur syndicat et fassent remonter de tels problèmes via leur syndicat, qui ont des salariés protégés. D'accord, donc première réaction. Luc, la suite. Une petite réaction aussi. Donc Spanghero, Orange, je sens qu'on va soulever d'autres affaires aussi à travers ce soir. Les prothèses mammaires également. On a 6-7% de salariés qui sont syndiqués en France aujourd'hui. Oui, hein. C'est ça, oui. Donc c'est oui. Une question qu'on peut... Voilà. Luc. Alors j'aime bien parce que je suis un ancien syndicaliste et c'est le patron qui appelle, merci Bernard, comme patron. Moi je vais me dire aussi le soutien de la loi et des règles communes. Et j'aime bien ce que disait Bernard, quand même sur l'aspect collectif, parce qu'évidemment, je défends tout à fait cette position-là. Mais la loi aide aussi à vivre ensemble. Alors, je vous donne un exemple très concret. Dans ma responsabilité de cadre à l'hôpital, une jeune élève infirmière était brillantissime. On l'avait beaucoup appréciée. Elle faisait son stage en semaine, du lundi au vendredi. Super. Au moment d'être embauchée, évidemment, on lui a fait signe en lui disant, j'avais cette responsabilité, viens chez nous, on sera ravis que tu bosses chez nous. Et donc, je la reçois pour être embauchée. Et elle me dit, ah, mais oui, mais il y a un petit problème, c'est Champagne, c'est que je suis juive et donc je ne veux pas travailler le samedi parce que c'est le Shabbat. Ah, je lui dis, là, il y a un petit problème parce que dans un roulement, forcément, tu travailleras au moins un samedi sur deux pour que l'hôpital continue à tourner, etc. Ah oui, mais vous êtes vachement dur parce que moi, ma religion, etc. Alors, elle brode là-dessus. Je lui dis, mais attends, tu ne peux pas demander... que les règles changent simplement parce que toi, tu as un problème particulier compte tenu de ta religion. Eh bien, au bout du bout, on ne s'est pas entendu. Et moi, j'accepte, pas comme une souffrance, mais comme une nécessité de dire que les règles communes doivent être appliquées et ensuite le particulier doit se mettre en correspondance. Soit alors, il rompt avec cette règle et donc elle n'a pas été embauchée, soit elle accepte d'entrer dans une relation aux autres qui permet une véritable égalité. Et donc, je crois qu'il y a la loi aussi qui permet le vivre ensemble dans l'entreprise. Merci. D'autres réactions ou interrogations à poser? Alors, ce qui est intéressant et ce que dit Luc aussi, c'est qu'à travers l'idée de la loi, donc c'est respecter la loi pour pouvoir vivre ensemble, mais c'est de se poser la question aussi de qui fait la loi. Est-ce qu'elle va en faveur de certains intérêts plutôt que d'autres?
Là, peut-être pas, enfin, les syndicats ont un rôle à jouer aussi, mais les groupes de pression, plus généralement, les lobbies, le fait de faire de lobbying peut jouer un rôle aussi dans cette vie ensemble et ce partage de valeurs après qu'on peut avoir en société. S'il n'y a pas d'autres interrogations, on va passer à la suite. On pose déjà des questions. Donc l'union fait la force, la loi est au-dessus quand même de tout le monde pour essayer de combiner le travail d'un côté et puis les convictions personnelles. Alors on va passer maintenant à nos experts pour demander davantage de précision, enfin de donner davantage d'outils à notre public jury populaire pour se forger une opinion. Et nous allons commencer avec Catherine Jourlin, qui travaille dans l'économie sociale et solidaire, et puis qui ne manquera pas de rapprocher donc le domaine professionnel avec ses convictions personnelles, qui sont donc assez humanistes. Hein, la notion de charité, elle est vue aussi de façon large. Il y a la religion, puis il y a peut-être aussi simplement des convictions. Je vous invite à nous rejoindre. Oui, ça sera mieux. Après, debout, assis à table, comme ça vous arrange. Merci. Catherine, n'hésitez pas à vous présenter, donc pour dire un petit peu ce que vous faites, et puis de donner un peu votre opinion sur la question. D'accord. Alors, je suis Catherine Jourlin, je suis gérante aujourd'hui d'une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Je vais vous dire d'abord peut-être un peu les échos que ça m'a fait de vous entendre dire ça. À 20 ans, c'est-à-dire il y a 25 ans pour ce qui me concerne, j'ai quitté des études supérieures en classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs parce que j'avais pas envie de travailler pour la défense nationale. Et j'ai tout abandonné pour faire de l'humanitaire. Mon premier job, ça a été médecin du monde. J'y ai beaucoup donné, j'y ai passé des jours, des nuits, etc. Et c'était mon premier job à 20 ans. Je ne vous dirai pas où ou qui, parce que ça n'a pas aucune importance. Mais mon premier patron, ça a été le premier combat de résistance à ces situations d'oppression dont vous avez parlé. Et pourtant, c'était dans une organisation humanitaire. Il a fini par s'en aller. J'ai l'impression que c'est un peu l'histoire de ma vie dans les situations professionnelles, parce que dans cette organisation où je suis aujourd'hui, dont j'ai été élue gérante, on a muté en société coopérative après avoir licencié le directeur général. Donc c'est un parcours peut-être un peu particulier, hein, je ne veux pas dire que c'est toujours possible de s'en sortir, de résister, de mener les combats ou d'être suffisamment, à la fois... pour moi, les conditions pour mesurer déjà la gravité de la situation, je dirais que je suis assez d'accord avec la première intervention qui est de dire il ne faut pas rester seul, il faut en parler avec d'autres. Vous l'avez dit, il y a plein de gens qui sont dans des situations difficiles aujourd'hui, donc on n'est pas seul, en général. Ni là où on est, dans l'entreprise où on vit des choses pas bien, ni à l'extérieur. Donc que ce soit une ressource syndicale, ou une ressource de collègues, ou une ressource à l'extérieur, il y a la médecine du travail, il y a des psychologues du travail, il y a des gens qui sont un peu spécialisés sur ces questions, pour accueillir, hein, accueillir, entendre. Puis il y a les professionnels du droit commun, hein, psychologues, etc. Donc je crois qu'il faut... La première chose à se dire, c'est ne pas rester seul. Parce qu'on s'enferme avec ses blessures, parce qu'on se maintient quelque part sans trouver d'issue dans une situation qui est très dégradante pour soi, et puis pour sa santé, pour tout ce que vous avez dit. Je crois que c'est la première chose. La deuxième chose... C'est, je crois, il y a un petit côté, j'ai envie de dire, mesure de ses propres convictions aussi à faire. Je dirais examen de conscience, d'une certaine manière. Est-ce que ce qui est disharmonieux pour moi dans la situation, est-ce que c'est de l'ordre d'une règle commune, une loi, un règlement intérieur ou d'autres choses qui n'est pas respectée, ou est-ce que c'est moi, personnellement, qui suis en désaccord avec quelque chose qui est la règle, la loi, la pratique de cette entreprise, etc. Il faut mesurer la distance, en fait, entre soi et ses pratiques.
et essayer de déterminer pourquoi on est en désaccord. Et je crois qu'effectivement, il y a des circonstances où on va s'orienter plutôt vers du lobbying de convictions externes, parce que bah, peut-être c'est la loi qui n'est pas la bonne, et on sent qu'on n'est pas en accord avec cette loi, mais c'est quand même la loi, donc on ne peut pas tellement faire autre chose tout de suite, mais on peut faire du lobbying par ailleurs, on peut avoir des engagements différents par ailleurs, et d'une certaine manière tenir cet équilibre entre là, je vis quelque chose qui ne me convient pas, et ailleurs, je rééquilibre avec des engagements différents. Si c'est une situation où la loi n'est pas respectée, je crois que vous l'avez très bien dit, je ne reviens pas là-dessus, je pense qu'il y a le tribunal des prud'hommes, il y a un certain nombre de choses possibles, les syndicats aussi. Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois, bon, d'un côté comme de l'autre, d'accord, d'avoir à débattre de qui a raison face à la loi dans telle situation. C'est important d'utiliser les instruments qui sont à notre disposition. C'est aussi ça qui les fait vivre, c'est vrai. Voilà, ils ont l'air parfois pas toujours accessibles. Hein. Il n'y a pas de personnes syndiquées dans toutes les entreprises. La majorité des emplois sont portés par des PME. Et dans les PME, il n'y a pas de syndicats, on n'a pas le temps. Voilà. Mais on peut trouver des ressources externes. Les syndicats sont aussi accessibles à des gens qui n'ont pas de délégués, du personnel, qui ne sont pas syndiqués. Il y a des permanences à la Bourse du Travail, il y a un certain nombre de choses possibles. Donc trouver des appuis, forcément les autres, pas que soi. Mesurer la consistance de nos convictions pour savoir où on se place et sur quel conflit d'intérêts on est. Est-ce que c'est effectivement, j'ai envie de dire, moi je trouve que la situation de Cécile n'était pas la même que celle de Marc. Voilà, pour moi c'est une posture différente. Donc Cécile, c'était l'interruption médicale. Cécile, c'est les interruptions médicales de grossesse. Et Marc, l'industriel. Et Marc, c'est l'industriel qui refuse de signer des papiers hors la loi. Voilà. Je trouve que ce n'est pas la même posture. Il faut mesurer où on se place. L'autre chose que j'ai envie de dire, c'est, et que je me suis souvent posée dans ma vie professionnelle, c'est si je donne l'alerte, si je lance l'alerte, parce que je rapprocherai le débat de ce soir avec toute la question des lanceurs d'alerte, l'affaire Wikileaks, SwissLeaks, c'est ce que vous voudrez. Si je donne l'alerte, si je sors de cette position d'accepter et de subir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je risque? Parce que quand vous dites, et j'ai été sensible à ça, on n'a pas le choix, et on parle d'aujourd'hui, en France, je pense qu'il faut, il faut mesurer quels sont les choix qui s'offrent à nous. Et quand on pense qu'on n'a pas le choix, souvent c'est qu'on n'a pas fait le tour du panorama. Hein, il faut accepter de changer de place, de regarder autour de soi, qu'est-ce qui se passe, quelles sont mes ressources, si je lance l'alerte, qu'est-ce que je risque, est-ce que c'est si grave que ça, est-ce que je suis sûre de perdre, et puis avancer progressivement ces billes. Pour moi, le lanceur d'alerte, c'est pas celui qui dit je balance tout le monde et je m'enfuis, c'est aussi une posture de résistance avec une certaine contenance, hein, une certaine force de conviction, de dire, j'ai bien mesuré, c'est pas une disharmonie de conviction, c'est la loi, c'est une règle qui s'impose un peu plus qu'à moi seul, hein. C'est pas une règle que moi j'ai choisie, mais c'est une règle qui s'impose un peu plus qu'à moi seul. Trouver des appuis autour de soi, et ensuite on engage, on fait un pas. Je ne suis pas d'accord avec ces pratiques, je suis pas seul, on est plusieurs. On sort pas la Kalachnikov, hein, on est d'accord. Voilà, c'est parce que je dis, on ne remet pas tout en cause, on ne met pas sa démission sur la table à la première étape, mais on résiste. J'ai fait ça beaucoup. J'ai envie de dire que j'ai eu peut-être de la chance, parce que peut-être que j'étais déjà un peu formée à résister par une structure personnelle, une histoire personnelle, sans doute. Faite d'engagement et puis de modèles de résistance, sans doute, autour de moi aussi. En tant que femme, je le dis comme je le porte, parce que les femmes n'ont pas toujours eu beaucoup de choix non plus dans certaines situations, pas que professionnelles, dans notre histoire. Voilà, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi sentir venir en soi, de ne pas accepter. Pour moi, c'est un chemin de désaliénation. Hein. C'est pas vrai qu'on n'a pas le choix. On peut désobéir. On peut dire non.
on peut lancer l'alerte. On a surtout le droit de parler en France, d'en parler avec d'autres. On a le droit de faire savoir, sans diffamer, d'accord, mais faire savoir. Et puis, je pense que c'est aussi, quand on dit on n'a pas le choix, la désaliénation pour moi, c'est aussi accepter de s'exposer soi. C'est-à-dire, quand on dit je subis, quelque part, on n'a pas encore fait ce pas qui va nous aider aussi à grandir et qui va aussi nous aider à trouver une forme d'épanouissement dans le fait d'habiter notre posture, nos convictions, et qu'il faut, à un moment donné, faire un pas et s'exposer pour trouver la bonne place solide, qui est celle qu'on peut tenir. On ne peut pas rester là. Alors il faut en avant, à côté, comme on veut, mais il faut faire ce pas. Et ce pas-là, moi je peux le dire parce que c'est une expérience, d'avoir fait ces pas m'a amené à ressentir mon travail comme épanouissant. Je ne crois pas au travail où on s'épanouit juste parce que tout va bien. Franchement, j'y crois pas, je vous le dis, peut-être parce que j'en ai pas l'expérience, hein, mais le jeune qui pense qu'il va trouver un travail où il va s'épanouir très bien, où les relations professionnelles seront toujours positives, où il y aura jamais de conflit d'intérêts, où il va jamais se retrouver un peu en équilibre sur sa zone de confort, etc., je pense qu'on rêve. Mais on a le droit de rêver, comme quand on pense que, je sais pas, l'engagement du couple, c'est un truc tranquille, éternel, etc., bon. Je pense qu'on peut rêver. Voilà. Quand on est jeune, surtout, on a le droit de sentir cette ambition qui vous prend et que vous avez envie de vivre ça. C'est aussi ça, la force de conviction. D'accord. C'est comme ça qu'on s'engage. C'est comme ça qu'on avance dans des projets. Très bien. La réalité, elle n'est pas celle-ci. Et les gens qui ont un peu d'expérience ou ce type d'expérience sur certains sujets, on a tous des expériences. Quand on est jeune aussi, on en a. Peut-être il y a une épaisseur avec le temps qui vient, et ils vous diront que ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Après, je crois que c'est aussi ça, devenir adulte, c'est aussi, quelque part, laisser de côté la part d'illusion, j'ai envie de dire, qui ressemblerait à une vie qui serait belle sans vraiment l'habiter. Et puis accepter, c'est ce pas qui fait qu'on s'engage, qu'on s'expose, qu'on mouille la chemise, qu'on se met à vraiment vivre ses convictions, quelles qu'elles soient, mais les vivre. Voilà. Si possible, sans passer de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a toujours un risque à faire le pas et à vouloir vivre ses convictions, c'est qu'on risque aussi de passer de l'autre côté, de devenir le bourreau d'un autre. Attention, ça nous guette tous. On parle souvent des autres, c'est les autres, je subis. Et moi, quand je me mets à faire un lobbying très oppressif auprès d'une profession ou auprès d'une catégorie d'individus, auprès d'une pratique existante dans la société, etc., est-ce que je suis pas en train de passer de l'autre côté ? Et pour moi, j'ai eu à me poser la question plusieurs fois. Quand on parle des lanceurs d'alerte, on se pose aussi la question. Éthiquement, la question se pose. Quand on dénonce quelqu'un, on l'expose aussi à un certain nombre de choses, des représailles, etc. La justice, des condamnations. Bon. Comment on le fait pour que ça reste dans une mesure et une proportion qui soit, de notre point de vue aussi, juste ? Il ne s'agit pas de vengeance. Il ne s'agit pas de retourner les armes contre l'autre. Il ne s'agit pas non plus de... Comment ? Vous connaissez peut-être le roman d'Albert Camus, Les Justes. On peut se croire juste, hein, avec une arme à la main, quoi. On peut se croire juste. Voilà. Merci Catherine. Parfait. Alors, je pense aussi à mon timing. Donc on va enchaîner tout de suite avec le deuxième intervenant, qui sera Bernard. Qui va nous raconter, donc Bernard Fenoglio, qui va nous donner un petit peu son expérience dans le domaine de l'industrie et de la métallurgie, pour voir un petit peu, voilà, avec sa formation d'ingénieur, comment est-ce qu'il a vécu cette vie professionnelle et quel rapport, quel,
Quel lien elle a eu avec la présence de la charité, avec ses convictions personnelles. Alors, oui, donc je disais, il faut que je fasse attention au timing. Donc, voilà, il faut qu'on ait 8-10 minutes. Et puis après, je suis obligé de couper pour qu'on puisse enchaîner. Merci. Bon, je ne vais pas être extrêmement long. Tout d'abord, quand j'ai lu le papier qui m'a été envoyé ce matin, tout à l'heure plus exactement, il y a une chose qui m'a interpellé, c'est le mot charité. Le mot charité, pourquoi ? Parce que je pense que c'est un mot dépassé aujourd'hui, dans sa connotation. En ce sens que, à l'origine, pour moi, la charité, c'était une prise en charge globale, souvent par des congrégations, d'un certain nombre de personnes démunies. On s'occupait de leur éducation, on s'occupait de leurs soins, on s'occupait de leur logement. Aujourd'hui, la charité, telle qu'on la perçoit bien souvent, c'est plus ça. Charité, c'est, je veux dire, un peu l'aumône. Et parfois, on se donne bonne conscience avec l'aumône. On peut dire aussi qu'avec une certaine forme d'aide sociale qui est une aumône à des personnes, d'une certaine manière, on ne les aide pas vraiment. Et il y en a beaucoup d'aides sociales dans notre pays. Donc, plutôt que de s'occuper des vrais problèmes des personnes, on leur donne de l'argent. Mais elles sont marginalisées avec un peu d'argent. Est-ce que vraiment c'est de la charité ? Est-ce que c'est vraiment du social ? La question, pour moi, elle se pose et elle m'interroge. Ça, c'est une réflexion, je dirais, sur le thème un peu de votre réunion. Alors, en ce qui concerne mon intervention de tout à l'heure, déjà, je dirais que c'est bien normal que les syndicats aient que 8% d'adhérents. C'est bien normal, parce qu'en fait, on a une espèce de, je dirais, de collusion sur des postures qui sont identifiées, connues depuis des dizaines d'années et qui ne reflètent pas les attentes des uns et des autres. C'est la vérité. Je pense que quand je parlais des syndicats, vous m'avez répondu c'est 8%, mais ces 8%, ils les méritent. Pour moi, c'est clair. Donc, je crois que là, il y a un vrai problème de remise à plat des contre-pouvoirs au sein de l'entreprise qui ne fonctionne pas. Et qui ne fonctionne pas, bon, je dirais, un peu par la faute de tout le monde. Hein. Il faut là-dessus, je crois que nous ne sommes pas exempts de reproches par rapport à ce mauvais fonctionnement, disons, du dialogue dit social. Ça, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans des instances paritaires et je dirais que dans les instances paritaires ça se passe bien, mais il y a un côté quand même artificiel, il y a un côté artificiel, il faut le dire. L'autre point que je voudrais aborder, c'est que à partir du moment où on essaye de se poser le problème de l'éthique en entreprise et de la responsabilité, plutôt que de la charité, de la responsabilité sociale et humaine. Moi, je préférerais évoquer ce terme hein, plutôt que celui de charité. Je pense que là, c'est vrai qu'on rencontre des difficultés. J'ai eu, en tant que responsable au sein d'un syndicat professionnel, avec certains collègues, à réfléchir à exclure une entreprise dont les pratiques n'étaient véritablement pas honnêtes. Bon, ça a été très difficile, il y avait des intérêts contradictoires, ça a été fait discrètement parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais ça a été fait et c'est vrai que je dirais que bien souvent, les syndicats, d'une manière globale, défendent les bons comme les très mauvais canards. Et ça, c'est une faute grave pour tous ceux qui sont témoins du fait que des syndicats professionnels ou non professionnels ou salariés défendent des cas qui sont indéfendables. Indéfendables. Et je pense que ça ne leur fait pas honneur et ça n'incite pas les autres salariés à adhérer à ces syndicats. Et malheureusement, je pense que vous, comme moi, vous avez vécu des situations de ce type où, effectivement,
pour des questions de posture, que le syndicat devait défendre le salarié ou que le syndicat d'employeurs devait défendre le patron, eh bien, effectivement, on pouvait trouver des cas, indéfendables qui étaient défendus. Et contre tout bon sens et contre tout l'intérêt général, je dirais, surtout. Et ça, pour moi, c'est le plus grave. Ce qui m'a, je dirais, dans ma vie professionnelle le plus frappé souvent, c'est les positions que j'appelle de posture. C'est-à-dire que c'est des positions qui sont d'apparence dogmatique et qui ne règlent pas les vrais problèmes. Bon, si on parle du problème de chômage, je suis désolé de dire que les syndicats comme le gouvernement, eh bien, adoptent des postures. Des postures. On ne règle pas le problème de fond du chômage. On indemnise les chômeurs, mais au niveau de s'occuper véritablement, je dirais, de la bonne éducation des jeunes jusqu'à leur sortie de l'école, l'école étant devenue quasiment tabou quant à ses résultats, hein, malheureusement, eh bien, on se crée une montagne de problèmes après qu'on résout en donnant des allocations à des gens qu'on ne peut pas utiliser. Eh bien, je trouve que là, on ne règle pas le problème et c'est très, très grave. Et je dirais que dans certaines entreprises, le problème se pose de la même façon que ça a été évoqué, en ce sens que vous avez effectivement des abus dont un certain nombre de personnes sont conscientes, mais qui sont tolérées et qui finalement font partie, entre guillemets, de la vie de l'entreprise. Et le problème n'est pas réglé jusqu'au jour où l'entreprise rencontre finalement un problème majeur. Donc, moi, personnellement, je pense que, individuellement, c'est vrai, ça a été dit, on ne peut pas faire grand-chose. Collectivement, on peut faire beaucoup. Et je trouve que, est-ce que c'est peut-être une caractéristique de notre pays, que nous sommes trop individualistes, justement, pour ne pas chercher suffisamment d'appui auprès de contre-pouvoirs, auprès des législations, parce que vous avez quand même des moyens, effectivement, comme ça a été dit, de vous appuyer sur un certain nombre d'instances qui permettent de faire ressortir des problèmes. Mais pourquoi un certain nombre de problèmes, j'ai évoqué les prothèses mammaires par exemple, pourquoi un certain nombre de problèmes ne sont pas ressortis? C'est une faiblesse énorme de la part d'un certain nombre de personnes de ne l'avoir pas fait alors que ces prothèses mettaient en danger certaines personnes. Et je crois que là, on est un petit peu au cœur de ce que je trouve vicieux dans notre société, c'est l'aspect artificiel des solutions que l'on donne à nos problèmes. Voilà, je crois que je m'arrêterai là. Très bien, merci beaucoup Bernard. Donc pour ce complément, alors la question de la charité, hein, l'étendue de la notion de charité, est-ce que c'est simplement l'aumône, est-ce que c'est une aide sociale, est-ce qu'elle va au-delà, est-ce que les convictions personnelles doivent toucher chaque personne, que ce ne soit pas simplement le rôle de l'État de venir en aide. Et puis la question des contre-pouvoirs, des syndicats, et puis on aurait presque envie de dire des intérêts dans les groupes d'intérêts. Parce que donc, l'idée des syndicats qui ne sont pas toujours éthiques, qui vont défendre des positions indéfendables, c'est que finalement on a quelques têtes dans le syndicat qui tiennent à certains pouvoirs, certains avantages, et qui du coup vont se dévier un peu de leur rôle premier. Voilà, alors avec cette vision donc davantage peut-être du côté du salarié et de la façon dont on peut faire avancer les choses, avec une vision un petit peu plus individualiste de Catherine sur l'idée de, voilà, individualiste dans le sens où je ne dois pas rester seul, mais quand j'ai moi des tensions, je dois aller voir les autres pour essayer de m'en sortir, de faire un examen de conscience, d'être capable de donner l'alerte et puis de grandir, de m'épanouir en passant du rêve à la réalité. Et bien on va passer donc à une troisième étape, très proche de la réalité je pense, avec Patrick Dancer, donc, qui est chef d'entreprise et qui alors d'abord professeur, ensuite chef d'entreprise, a connu une petite entreprise qui est devenue très grande puis qui redevient petite, c'est ça, si je
Je vais rapidement là. Hein. Elle était très petite, elle est toujours très petite. D'accord. Elle est encore plus petite. Mais quand il y a, qu'est-ce que j'avais comme petite information ? On a plusieurs sociétés quand même qui ont été créées, qui ont été reliquidées ensuite. Enfin, vous allez nous expliquer ça. Mais voir donc en tant que chef d'entreprise, vous êtes forcément en présence peut-être de syndicats, de groupements qui vont s'opposer à vos décisions. Et puis quand ça porte jusqu'aux exportations, au milieu étranger ou la concurrence étrangère, comment est-ce qu'on réagit aussi quand on a des convictions qu'on souhaite défendre. Donc pareil, il faut se tenir un peu au temps, 8-10 minutes à peu près. Bonjour à tous. J'aimerais rester tout à fait dans le concret des choses. Je vais vous dire en deux mots qui je suis. Je suis donc, j'ai fait une école de commerce. Qui dit école de commerce dit formatage. Nous étions des lions. J'ai été professeur. Et puis mon père avait une entreprise familiale qui allait assez mal. Et à un moment donné, il m'a dit « Bon, je lâche tout ou je te passe l'entreprise. » Bon, elle était presque en dépôt de bilan. J'ai regardé, je me suis dit « Oui, je sais ce qu'il faut faire pour la remettre d'aplomb, donc j'y vais. » Et puis, ça m'a duré pratiquement 38 ans. Je vais essayer de prendre des exemples assez concrets. Début des années 2000, il y a des personnes qui sont venues me chercher pour un catéchuménat d'adultes, et on a passé une soirée assez intéressante. Et cette personne-là m'a dit, elle voulait parler de ce qu'elle faisait en entreprise, et m'a dit, tu sais, tu es chef d'entreprise, moi, ça, chez moi ça se passe mal, le patron il fait ça, etc. Je me disais, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette entreprise ? Et je me suis dit, oh là là, mais c'est vraiment un salaud ce mec-là. Et je me suis aperçu que c'était un bon copain, le chef d'entreprise, et qu'il avait de grandes responsabilités dans la religion. Et je me suis dit, quelques temps après, on est venu me chercher pour me demander si je voulais être diacre. J'ai refusé. Disons que je me suis dit que c'était pas la bonne place pour un chef d'entreprise. Et si vous connaissez des gens qui sont chefs d'entreprise et diacres, chapeau, parce que moi je m'en sens absolument pas capable. Et Dieu sait si ma réponse a été douloureuse pour moi. Je voudrais aussi vous faire partager une autre expérience. En tant que, dans le textile, j'ai été aussi dans un syndicat patronal et j'ai eu à régler pas mal de liquidations, etc. J'ai eu beaucoup de souffrances. Le pire que j'ai pu voir, c'était dans une entreprise de Lorraine où les gens m'ont dit, vous reprenez les machines, etc. Mais les hommes, qu'est-ce que vous en faites ? Et tout, et tout. Et je me suis assis autour d'eux et je leur ai dit, écoutez, effectivement, vous me demandez de recréer une boîte sur la Lorraine et tout. Je leur ai dit, mais vous êtes, ce qui est en train de se passer à votre entreprise, vous en êtes co-responsable. Et en l'occurrence, je leur ai dit, vous êtes ce qui se passait et de la manière dont ça s'est passé, oui, votre patron, bien sûr, est celui qui est au numéro un, c'est celui qui va passer au tribunal, mais vous avez une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Et là, je voudrais un petit peu aussi m'insurger contre cette histoire de syndicalisme. Alors, je suis d'accord avec ce que disait Catherine, d'être toujours avec les gens, de jamais être seul. Mais vous savez que quand, dans pas mal d'entreprises en France, si vous vous syndiquez, c'en est un petit peu fini de votre plan de carrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Je connais beaucoup d'entreprises
Alors moi, personnellement, mon épouse était dans une grande entreprise nationale. On lui avait fait miroiter un poste, etc. Et puis, elle a voulu se syndiquer et elle a été... on lui a dit, bah, écoutez, c'est pas compliqué, hein, si vous voulez ce poste, il faut pas rentrer dans ce syndicat. Et ça, c'est très, 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 très fréquent. Alors, quand on dit, oui, on peut, on a le droit, on a le devoir d'être chrétien, oui, mais attention, qu'est-ce qui va me nourrir une fois que je serai mis à la porte ? Moi, je crois que là, à ce niveau-là, il y a des. Ben, j'espère. Donc, je crois qu'il faut faire attention. Moi, je pense que les chefs d'entreprise, on essaye un petit peu de leur donner tous les défauts, mais ils en ont quand même pas mal. Je pense qu'ils en ont pas mal. Voilà. Je pense que le métier de chef d'entreprise, c'est un métier où on est très seul. Et je crois qu'il faut sans arrêt se poser la question de dire ce que l'on fait en dernier lieu, est-ce que ça ne serait pas des choses qu'il faudrait voir en premier lieu, notamment en ce qui concerne les employés, voir la richesse des employés. Alors, nous, chefs d'entreprise, on a le nez dans le guidon. Et qu'est-ce qu'on essaye ? On essaye de sortir un bilan qui soit acceptable. On essaye d'avoir les meilleurs résultats au niveau pour nos clients. On essaye d'être bien vis-à-vis de nos banquiers. Mais celui qui est employé chez nous, est-ce que véritablement on s'occupe de lui et on s'occupe de sa... de ses plans de carrière. Alors, c'est pas évident du tout. La deuxième chose que je voulais dire, c'est je pense que plutôt que de parler de grandes décisions, de choses comme ça, c'est dans les petites choses qu'on arrive à faire bouger les choses. Je crois que moi, petitement, j'ai toujours voulu que ma porte soit toujours ouverte à mes employés. Et Dieu sait si ce n'est pas toujours évident. Et j'avais voulu tricher. C'est-à-dire que c'est très facile de dire aux employés, ça va bien se passer, etc. Et je crois qu'on a un devoir d'être honnête vis-à-vis de tout ce qu'on dit. Et c'est pas facile, croyez-moi, tous les jours. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est aussi encore une petite chose. Bon, je ne sais pas ce que j'avais. Oui, le rapport entre les paroles et les gestes. Voilà, bon, c'est un petit peu tout. Oui. Je pense que ça sera beaucoup mieux avec les questions plus tard. Nous allons compléter. Merci beaucoup, Patrick, pour ce complément. Donc là où... Ça va encore la question du syndicat, donc que ce soit syndicat salarié, syndicat patronal. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire, en tout cas pour essayer de défendre ses convictions, ses intérêts dans l'entreprise. Oui. Et puis, très intéressant donc aussi de se poser la question de la répartition de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que quand on a du pouvoir dans l'entreprise, comment est-ce qu'on fait pour la répartir au sein des parties prenantes, hein, donc que ce soit les employés, les banques, les actionnaires, les dirigeants, comment est-ce qu'on se partage le gâteau? Ça rentre aussi dans cette question de la vie professionnelle et du défi de la charité. Donc un petit complément, pas trop long pour qu'après on puisse aussi avoir des questions de notre auditeur. Un petit complément donc, d'abord par rapport au syndicat. Je pense que pour se plaindre auprès d'un délégué du personnel, on n'a pas besoin d'être syndiqué. Hein. Ça, c'est la première chose. Hein. Donc, je crois que déjà, le délégué du personnel, entre guillemets, fait son travail, eh bien, je pense que les gens iront le trouver plus souvent
et peut-être que son syndicat pourra aussi être mieux représenté parce que plus crédible. Donc l'argument qui a été évoqué n'est pas faux, hein, je l'admets, hein, qu'il y a des pressions qui sont faites pour que ne pas avoir de salariés syndicats, de salariés syndiqués. Mais je pense quand même qu'il y a des voies pour se faire entendre néanmoins pour le salarié qui le souhaite sans être forcément syndiqué. C'est ça le premier point. Le deuxième point, pour reprendre un petit peu ce qui a été dit, c'est que c'est vrai qu'on ne fait pas assez, on n'attache pas d'importance suffisante, notamment dans les grands groupes, à la richesse personnelle des hommes. C'est vrai, et c'est particulièrement vrai chez nous, en France. Ce n'est pas vrai dans les PME. Je pense que moi, j'ai été patron de PME, 45 personnes maxi. Eh bien, je peux vous dire que je pense qu'on est beaucoup plus attentif aux hommes qu'on ne l'est dans des grands groupes. Parce qu'on se voit tous les jours, on se connaît tous, et qu'on sait très bien qu'on est tous interdépendants, bien plus qu'on ne se sent interdépendant dans un grand groupe. Donc là-dessus, je pense que pour un jeune, la PME est un meilleur choix, même si le salaire n'est pas parfois le même, qu'un grand groupe. Et d'ailleurs, je peux vous témoigner qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes très brillants préfèrent entrer dans des PME que dans des grands groupes où ils sont très cadrés, ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent et ont très peu d'initiatives. L'autre point que je voudrais également aborder, et ça c'est un point que je n'ai pas abordé tout à l'heure, mais c'est un témoignage personnel sur les pots de vin. Moi j'avais des gros clients nationaux, donc des acheteurs très importants, notamment dans la grande distribution. Et un jour je me suis confronté à un acheteur qui m'a fait comprendre que bien, il lui fallait pour lui un pourcentage, disons, du référencement qu'il allait me donner. Hein. Et ce pourcentage devait prendre une forme, je dirais, très tangible, sous forme d'une location de voiture de luxe, disons, hein, aux frais de l'entreprise. Voilà, c'était la manière dont il entendait se faire rémunérer. Ça a été un vrai cas de conscience, parce que je n'étais pas le seul fournisseur possible. Et le marché était relativement important, il présentait plusieurs millions d'euros. Et c'est un grand groupe de la distribution. Ça a été un cas très dur. Ça a été un cas très dur parce que, en conscience, je ne pouvais pas le faire. Et je ne l'ai pas fait. Mais je n'ai pas eu le marché. Donc, par contre, un de mes concurrents l'a fait, bah, il a eu le marché. Bon. Donc, effectivement, il y a des cas où... c'est comme ça, mais par contre, moi j'ai pris ma plume de façon, là, je le dis carrément, anonyme par rapport à la direction de l'entreprise pour dire que cette personne acheteur depuis 10 ans dans le même poste, c'était inadmissible qu'elle reste aussi longtemps compte tenu de la connaissance qu'elle avait et de l'intimité qu'elle avait avec certains fournisseurs. Bon, je l'ai fait, bon, mais... 3 ans après, il est parti. Mais bon, il est parti pour un autre poste. Mais je ne sais pas si c'est lié à ça. Mais enfin, je l'ai fait. Bon, voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Alors, la question des pots de vin est intéressante et nous ramène aussi à la loi, enfin que ce soit aussi pour les syndicats. Moi, je repensais au fait que de plus en plus, on s'intéresse à faire représenter les salariés dans les conseils d'administration. Donc, qu'ils ne soient pas forcément syndiqués, mais qu'ils aient voix... au moins informatif, consultatif dans les conseils d'administration. Enfin, c'est la loi va un peu dans ce sens-là. Et pour les pots de vin, alors de temps en temps, on a quand même des affaires qui sortent. Mais voilà, j'imagine bien que tout n'est pas forcément mis à jour et qu'il y a encore du travail qui se fait plus au quotidien. Alors, est-ce que, avant de me laisser la parole pour le bilan un petit peu de tout ça, à Mireille et puis à Dominique, est-ce que vous avez des questions, des petits compléments, des interrogations que vous souhaitez apporter ? Je vais vous faire circuler aussi un micro. Voilà, n'hésitez pas à vous présenter. Oui, alors Catherine Babu-Guibard. Donc moi, j'ai été très intéressée par ce que l'on a dit au début, tous les exemples cités. Simplement, je voulais attirer l'attention, c'est que c'est vrai qu'on est dans un système économique de marché,
Mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on a à peu près les mêmes problèmes, même quand on est dans le caritatif ou bien dans les associations. Et d'ailleurs, vous l'avez souligné dans une entreprise humanitaire. Hein. Et donc, je dirais que ce n'est pas parce que, en fait, on adhère aux valeurs de l'entreprise ou de l'association qu'il n'y a pas de problème. Moi, j'aime personnellement travailler dans les collectivités locales, donc je n'avais pas vraiment de problème par rapport à l'éthique, hein, de service public. Puis dans l'église, je n'avais pas non plus de problème dans l'éthique. Et je m'aperçois qu'il faut être très humble parce que très vite aussi, on peut déraper. D'autant plus dans les associations et même l'église où il y a le caritatif et où, en fait, on joue un petit peu là-dessus vis-à-vis des personnes, et on oublie un peu le respect des personnes, et que là aussi, il y a des règles à maintenir, parce qu'on peut beaucoup demander, et ça peut être très pesant vis-à-vis des gens qui travaillent dans ces associations, ou même l'Église, hein, je n'hésite pas à le dire, parce que, en plus, moi, j'ai été des deux côtés, j'ai été à la fois salariée, et après, j'ai été responsable des salariés, donc j'ai pu mesurer que très vite, on peut se laisser embarquer. Ça me rappelle l'introduction un peu de Jessica Diao, hein, qui disait dès le départ que le travail, c'était une rémunération, en tout cas une contribution, un apport, avec une rétribution attendue derrière, et qu'il fallait une certaine adéquation entre les deux, et c'est vrai que dans le milieu associatif, caritatif, ce rapport-là de contribution et de rétribution, bah, il est beaucoup moins matériel, et après, est-ce que pour autant, on peut tout donner sans contrepartie matérielle ? Là, la question se pose, est-ce qu'on confie tout un peu à Dieu, à l'Esprit-Saint, ou est-ce qu'on attend quand même un minimum de reconnaissance ou de... Voilà, il y a des questions qui peuvent rentrer dans ce domaine-là. Et pour moi, le respect des règles est très important dans ces... justement... D'accord. Il ne faut pas le négliger. Catherine. Moi, j'ai un petit complément, mais je ne veux pas empêcher la parole. Oui. En fait, je me suis rendu compte que je n'ai pas beaucoup parlé de charité. Ça ne m'étonne pas trop de moi. Parce que je vais vous dire le fond, ce qui me vient, c'est que c'est une question que je vous offre aussi à méditer. Pour moi, dans la charité, il y a un rapport de force. Parce qu'il y en a un qui donne... Il y en a un qui reçoit. Pour moi, c'est très déséquilibré, la charité. Et c'est vrai que dans ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être c'était une posture individuelle ou je ne sais quoi, j'ai oublié de vous dire que l'entreprise que je dirige aujourd'hui, elle délivre des services à d'autres entreprises dans un souci coopératif et de réciprocité de services. Et que le principal de ces services, c'est de lutter contre l'isolement du dirigeant et du gérant, et c'est de lui prêter assistance. Alors, ce n'est pas une assistance charitable, c'est une assistance qui se monnaie, mais c'est aussi une assistance pour le tirer vers le haut sur ses exigences qualité, qualité du management, qualité du respect d'un certain nombre de ses engagements éthiques. Et dans le projet social de Groupe EOS, il y a un élément sur lequel on s'est tous mis d'accord quand on a fondé l'entreprise, c'est de favoriser dans nos entreprises le développement d'emplois comme mode d'organisation. Bien sûr, pas l'esclavage, bien sûr, pas la sous-traitance qui pressurise, etc. L'emploi, avec un contrat de travail. Un contrat de travail, c'est un engagement réciproque. C'est aussi de favoriser, donc de participer à une économie responsable. Je ne reviens pas dessus. Et c'est aussi de favoriser pour chacun et chacune dans l'entreprise, tous les salariés, de l'ouvrier au SMIC jusqu'au dirigeant, qui est salarié lui aussi dans nos entreprises. Ce sont des coopératives, je le rappelle, les salariés sont propriétaires de l'entreprise. Les salariés votent pour élire leur gérant. Et c'est de favoriser la participation de chacun à son développement personnel et au développement du projet collectif. C'est un engagement éthique. Nous avons aussi créé statutairement dans l'entreprise un comité d'éthique et d'orientation stratégique qui est ouvert à la participation de personnes de la société civile extérieures à l'entreprise qui viennent de temps en temps voir ce qui se passe et nous rappeler à l'ordre si jamais il y a des dérives. Dernière chose que je voulais dire, c'est que pour moi, plutôt que la charité, je parle de réciprocité et d'humanisme, mais c'est reconnaître à l'autre que lui aussi, il est là, il peut, il a les mêmes capacités que nous, pas seulement celle de recevoir, aussi celle de s'engager, de donner.
et de le faire vivre dans nos actes, cette réciprocité, c'est-à-dire partager l'information, partager le pouvoir, partager les décisions, la démocratie, partager les richesses. En société coopérative, on partage les richesses. C'est inscrit dans les règles, dans les statuts. Et est-ce que nous sommes vraiment volontaires quand nous appelons à la charité dans l'entreprise, à l'ensemble de ces partages? Ou est-ce que, comme disait Coluche, on est dans la merde parce que la majorité des pauvres rêvent de devenir riches? Est-ce que nous sommes tous vraiment volontaires pour l'ensemble de ces partages? Merci. Autre réaction? Dernière réaction, et puis après, on va redonner la parole à... Oui, juste pour revenir sur ce que disait Bernard à propos de la difficulté de prendre des décisions et des bonnes décisions. Bernard disait qu'on ne peut pas défendre certaines choses dans l'entreprise et que les syndicats sont parfois laxistes. Alors moi, j'avais une position très claire là-dessus en tant que responsable syndical, et je l'ai eu la même quand j'étais cadre, c'est que je crois que on peut défendre n'importe qui, mais pas n'importe quoi. C'est-à-dire que, et moi j'ai eu à défendre syndicalement des gens qui ont volé, objectivement, on les a pris la main dans le sac, à embarquer des draps ou de je ne sais quoi de l'hôpital, et donc c'est inacceptable. Le pari que j'ai fait avec le directeur, c'est de dire, ça c'est inadmissible et ça doit être sanctionné. Et on le sanctionnera, je vous propose de le sanctionner en interne à l'entreprise, dans l'hôpital, mais de ne pas le virer, parce qu'au bout du bout, c'était ça. Mais par contre, on passe des contrats. Et j'aime bien la notion de contrat dans la vie de l'entreprise. C'est-à-dire passer des contrats, alors là, en l'occurrence, sur un problème de vol, mais dans la vie collective, on peut passer des contrats. On a des objectifs ensemble. Et peut-être qu'il n'y a pas assez de dialogue à l'intérieur de l'entreprise qui permet justement cette charité. Alors, même si j'accompagne Bernard sur la réflexion sur la charité, mais je pense que passer des contrats, avoir du dialogue, se parler, n'oublions pas que l'entreprise, ça n'existe pas. Ce sont des personnes qui font qu'il y a une entreprise avec des responsabilités diverses. Et si on passe des contrats clairs, avec des objectifs, avec un certain nombre de valeurs éthiques, je pense que l'entreprise y gagnera et les hommes et les femmes qui travaillent dedans y gagneront. Une entreprise est un ensemble de contrats, hein, puisque société c'est un contrat de société, contrat de travail c'est un contrat de travail, enfin, on est en permanence entouré de contrats. Très bien, merci beaucoup pour ces éléments de réflexion. On va continuer, donc c'est Mireille qui prend la parole pour essayer de faire une petite synthèse de tout ça, avec surtout un regard autour de l'apport de la doctrine sociale de l'Église. Oui, alors c'est pas pour me défiler, c'est juste pour... Je me disais en écoutant tout ce qui était formulé, que finalement l'enjeu c'était comment est-ce que nous construisons ensemble cette doctrine sociale. Parce qu'il me semble que dans le type de propos qu'on a eu, c'est justement cela qui est en œuvre. Alors je voudrais juste évacuer ce qu'il a pu y avoir d'ambiguïté avec ce mot de charité. Effectivement, on a choisi de l'utiliser parce que c'est un mot qui, aujourd'hui dans la doctrine sociale, est un mot qui revient massivement. Notamment avec Benoît XVI, il y a eu quelque chose qui, je pense, s'est recentré de ce côté-là de la charité. Alors pas à entendre, évidemment, dans le sens des dames patronesses de Jacques Brel, c'est évident pour moi. Mais ce qui m'intéressait plus pour maintenant, j'ai un certain nombre de points que je pourrais reprendre, mais il y a une question quand même qui travaille, c'est j'aimerais que Yao et Jessica puissent nous dire aussi comment ils ont entendu ce qui a été dit par les uns et les autres. Je trouve qu'il y a un enjeu très important de ce côté-là. Mais avant de leur redonner la parole, s'il leur laisse exactement 1:30 pour y réfléchir, je me disais, finalement, il y a quelque chose qui m'a intéressée dans leur posture et qui après s'est déplacée sans doute et qui n'est pas étrangère, chose qui n'est pas étrangère à ce que nous sommes appelés à vivre ensemble dans une vie économique, qui est le type de posture que nous avons et qui a quelque chose à voir avec la question de la charité. Je relisais dans Caritas in Veritate, quand Benoît XVI dit justement, la charité, qu'est-ce que c'est? C'est la posture dans laquelle je me tiens qui consiste à me donner, qui consiste finalement
à essayer de faire en sorte dans ma vie que je ne me mette pas toujours, au moins que j'essaye de temps en temps, de mettre l'autre en priorité. L'autre est la construction de ce que nous vivons ensemble. Et cette notion du bien commun, je me dis finalement l'entreprise, on pourrait dire, c'est bien, et c'est ce que vous avez employé Bruno, une forme de société. C'est bien une forme d'association, et que la question de l'association, c'est pas simplement est-ce que je suis d'accord, est-ce que ça me convient, mais c'est aussi qu'est-ce que nous choisissons de construire ensemble. Et quelqu'un a dit, je ne sais plus lequel d'entre vous a dit, peut-être c'est vous madame, la question de la parole, la manière dont je prends la parole, la façon dont j'exerce les responsabilités ou dont je ne les exerce pas. Ce matin, avec Catherine, on était en TD ensemble, justement, on évoquait cette question de subsidiarité. Mais ça ne marche que si ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que la subsidiarité, ce n'est pas simplement la délégation, je vais dire jusqu'à l'échelon le plus bas de l'entreprise, mais c'est aussi la façon dont, moi, à l'endroit où je suis, je ne vais pas tout de suite, lorsque ça ne va pas, écrire directement au pape, comme je disais, que l'enseignement de morale à la faculté de théologie n'est pas bon. Donc je trouve qu'il y a vraiment des enjeux de ce côté-là qui sont extrêmement importants pour le vivre ensemble, globalement dans la société, mais aussi dans la société économique et dans ce qu'elle peut apporter. Donc j'étais intriguée finalement aussi par la posture que Jessica et Yao ont développée en insistant beaucoup, et c'est, vous le disiez tout à l'heure madame, effectivement il y a des questions d'âge, il y a des questions d'appréhension, il y a des questions d'idéal qui sont derrière, et finalement je terminerai là-dessus avant de vous laisser la parole et puis de la laisser à Dominique. Je me disais, dans la doctrine sociale de l'Église, est-ce qu'on ne pourrait pas introduire, même si ça y est, je pense, dans la trame, quelque chose d'un principe de réalisme. C'est-à-dire que de toute façon, dans la foi chrétienne, et pour avoir une vie morale, c'est-à-dire une vie humaine entre nous, il me semble que par petites étapes, dans le peu à peu et la gradualité, il nous faut consentir au réalisme. C'est-à-dire que de fait, je ne travaille pas forcément avec des gens que j'apprécie. Je ne travaille pas forcément avec des gens que j'aime. Les décisions ne sont pas nécessairement prises de la façon dont je le voudrais. Il n'empêche que c'est à partir de là et avec ça que j'ai à construire ma vie humaine et ma vie chrétienne. Tout à l'heure, vous évoquiez la question du couple. Je pense que c'est pareil. Je vous fais un scoop, c'est pareil dans la vie communautaire. Donc, on peut toujours rêver d'eux. Et les rêves contribuent à former notre identité. Mais en même temps, il me semble que pour qu'il y ait quelque chose d'opérationnel dans la mise en œuvre de la charité, c'est-à-dire du vivre ensemble, en faisant place à l'autre, en commençant peut-être par celui qui est le plus loin, le plus marginal, il y a cet enjeu-là qui est du consentement au réel. Voilà ce que moi j'avais envie de dire. Je ne sais pas, Yao ou Jessica, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose, ou je laisse la parole tout de suite à Dominique, comme vous voulez. Ouais, vous m'entendez? Ok. c'est bien beau tout ce que les autres ont dit, les chefs d'entreprise et tout, leur rapport et tout. Moi, c'est vrai que quand on essayait de préparer un peu voilà, cette accusation, cette question, on réfléchissait là-dessus. On en était arrivé à un moment où on se demandait, ben voilà, s'il arrivait, après relecture de ces différentes expériences, de ces exemples qu'on a évoqués, on se disait, mais voilà, s'il arrivait que voilà, ces jeunes, ils n'arrivent pas à s'en sortir, en fait. Alors, est-ce que ça reste clos comme ça, ou est-ce qu'on peut arriver au moins à trouver une porte de sortie? Et j'ai très bien aimé l'intervention de madame Catherine, et qui disait qu'il faut faire le tour du panorama, en fait. La plupart du temps, on se dit il n'y a pas de porte de sortie, on ne peut rien faire, on n'a pas le choix. Et donc, tiens, on a toujours, au moins, on a toujours un choix à faire en dernière position. Et avec Jessica, on réfléchissait ce matin, on disait, mais si on regardait un peu du côté des instances publiques qui sont en dehors du cadre de l'entreprise et tout, voilà, le cadre des syndicats et tout, peut-être qu'en s'ouvrant à ces genres de personnes, ils pourront quand même les aider ou bénéficier d'un accompagnement ou d'un suivi
qui pourraient les aider. Parce que moi, je me dis, le problème aujourd'hui, c'est de s'enfermer, bien qu'on porte ses blessures et tout, de ne rien dire, de le subir, au fait. Alors que si on en arrivait à en parler avec d'autres, on dit, mais tiens, on parle vraiment honnêtement de la chose qu'on vit. Quand il y a cette communication vraiment de façon honnête, je pense que ça pourrait faire lever la patte, comme on dit, et ça pourrait aider aussi les autres qui n'arrivaient justement pas à s'ouvrir à ce dialogue. Et ensemble, de fil à aiguille, on va dire, essayer de faire remonter nos remarques ou les choses que nous voyons qui ne sont pas ou bien qui ne vont pas ou bien qui ne riment pas avec nos convictions. Et c'est en ce moment-là que je me dis, mais tiens, non seulement les syndicats, ils ont un rôle à jouer, nous aussi, nous avons une part de responsabilité dans le sens où il nous faut nous ouvrir, au fait. Il nous faut dire le mal que nous avons, ce que nous portons. Et une fois que nous le disons, déjà, ça nous allège. Et puis, ça pourra nous aider à chercher des portes de sortie. Et si on cherche bien, je pense qu'on finira toujours par trouver au moins une qui essaierait de s'ouvrir un peu. Et puis avec l'aide des autres, on pourra s'en sortir. Merci. Alors pour ma part, je ne sais pas si mon propos va être très structuré, parce qu'il y a, mais je voulais revenir sur l'intervention de monsieur, je ne me souviens plus de votre nom, monsieur Bernard. Alors c'est juste quelques mots, une expression qui m'a beaucoup choquée personnellement. Vous avez parlé, il me semble que c'était dans le contexte de l'école, vous disiez en fait que aujourd'hui dans notre société, on ne résout pas vraiment les problèmes, on a tendance à coller des sortes de remèdes, un pansement a posteriori après un problème pour le cacher. Ça serait les aides sociales ou les allocations. Et je crois que dans votre phrase, vous avez dit on a le constat de l'échec de l'école. L'école qui fait des gens qui ensuite vont être assistés et qu'on ne peut pas utiliser. Moi, ça me choque. On n'utilise pas des gens. Donc, oui, mais je pense que il y a le poids des mots. Et parfois, les mots trahissent. Et je pense que du coup, si je voulais résumer ma position après ce débat, ce serait que peut-être que ce dont on a besoin, c'est une véritable conversion des mentalités, une conversion morale. Et peut-être que l'école, justement, a son rôle à jouer, pas seulement pour... Il y a une phrase de Montesquieu qui me plaît beaucoup. Un enfant, c'est pas un vase qu'on remplit, c'est un feu qu'on allume. C'est pas l'école, c'est pas pour accumuler des savoirs techniques, pour en cours de SVT apprendre la dernière technologie. Peut-être que l'école, il faut qu'elle apprenne aux enfants justement à mieux s'orienter, à justement sortir peut-être de cette naïveté qu'ils ont. Moi je sais que personnellement je me suis orientée vers des études de droit à 18 ans. Je savais absolument pas ce que c'était que le métier d'avocat. Moi j'étais bête, j'avais vu des séries à la télé et je pensais que c'était ça être avocat. Je le dis clairement. Peut-être que le rôle du coaching professionnel, il peut commencer dès le lycée. Peut-être que faire des stages, même quand on est très jeune, même si c'est une contrainte pour les chefs d'entreprise, même si c'est du temps qu'il faut accorder aux plus jeunes pour les former, peut-être que c'est un temps qu'il faut prendre et que l'enjeu, il se joue très, très tôt. Voilà. Merci. Alors, je propose à Mireille à Dominique de prendre le relais, mais à Mireille d'organiser une prochaine soirée sur la formation, sur le rôle des professeurs et de l'école dans la formation. Voilà, et puis pour Yoab, s'il faut faire le tour du panorama, il faut surtout partir avec pour être sûr de lire tous les articles. Ça sera déjà un bon point de départ. Il me reste à clore cette soirée. D'abord, je vous remercie très très profondément d'être venu et d'avoir participé à chacun de vous, les intervenants professionnels, et puis à vous tous qui êtes là aussi, les étudiants.
nos partenaires de l'antenne sociale. Et peut-être que je reprendrai les mots. Merci de nous les avoir donnés, Jessica, parce que du coup, je trouve qu'ils résument très bien le feu de la charité. Vous l'avez dit, c'est peut-être le rôle de l'école, mais c'est peut-être aussi notre rôle dans cette chaire Jean Rodin de faire réentendre, et je vous dirai ma profonde blessure en tant que théologienne, d'entendre à quel point ce mot de la charité est démonétisé. Voilà, nous ne savons plus dire le feu qui couve derrière la charité. La charité, mes amis, ça n'est absolument pas d'être bien gentil, de dire oui à tout et de se battre la coulpe parce qu'il faut être un bon chrétien. La charité, c'est le feu qui nous fait vibrer, qui nous fait vivre, qui nous fait combattre pour la justice, parce qu'il est absolument terrible de dissocier l'engagement pour la charité de la vie, de la grandeur, de cette bataille, de ce combat, de cette lutte d'une existence pour une plus grande justice. Si on pouvait réentendre que la foi chrétienne nous dit à temps et à contre-temps que donner sa vie pour la justice sociale, pour qu'il y ait des lois justes, des hommes et des femmes qui se tiennent dans cet exercice si complexe d'exercer la justice. Parce qu'au fond, le Seigneur n'a cessé de dire, je vous rappellerai un psaume qui est le psaume 85, « Justice et charité s'embrassent ». Qu'est-ce que ça veut dire, si ce n'est que ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier justice et charité, et que le drame de la réception chrétienne de la charité, c'est de croire que l'on peut dissocier. La charité est ce qui donne à la justice l'élan suffisant pour croire que nous pouvons demain créer un ordre de droit plus juste, et que c'est la charité qui nous donne l'élan et le feu pour se battre au nom de la justice. Donc, si vous pouviez partir ce soir avec la conviction qu'il nous faut retravailler, et je suis d'accord avec vous, pour dire qu'il nous faut retravailler à ce que nous redonnions à notre concept de justice et à notre concept de charité une vraie articulation dialectique. Qu'il y a là un enjeu absolument fondateur pour la théologie et pour la réception de la théologie dans le discours public. On voit bien qu'aujourd'hui, parler de convictions religieuses est inaudible si on a en tête ce que nous avons, et merci de l'avoir partagé, parce que ça me fait mal en tant que théologienne, mais je vous remercie de l'avoir fait. Merci de nous avoir dit que la charité est inaudible et que nous avons à travailler ensemble pour que nous réarticulions justice et charité et que nous redonnions à cet élan qui ne peut passer, je le répète, qui ne peut passer que par la conviction qu'il n'y aura pas d'atteinte de la charité par miracle et en claquant des doigts. Nous ne sommes pas des matamores de la charité, nous sommes les humbles artisans de ces crans d'arrêt de la justice jusqu'à donner nos vies pour une vie plus juste. Et nous ne pouvons le faire que parce que nous sommes mobilisés par le feu de l'amour, c'est-à-dire cette perte de soi pour l'autre. Donc merci à chacun d'avoir partagé vos convictions, merci de nous avoir envoyés dans un grand travail théologique qui est celui de la réarticulation justice et charité. Et puis nous espérons que ce format pourra être retravaillé de sorte qu'il attire encore un peu plus. Peut-être qu'effectivement nous faut-il retravailler notre communication, puisque si la charité effectivement est aussi démonétisée, je vais peut-être laisser la parole à notre doyen que je remercie de nous avoir rejoint pour clore ce temps de la chaire Jean Rodin. Merci Dominique. J'ai pas eu l'occasion d'être là au début de la rencontre pour vous saluer. Je suis arrivé en cours de route, j'avais une rencontre sur le campus Bellecour. Et je suis là pour avoir entendu les témoignages, les diverses interventions, et puis pour vous remercier. Merci à l'équipe organisatrice, Mireille Huguenard, Dominique Coatanea, l'aumônerie, notre aumônerie qui était là, et puis nos partenaires de l'antenne sociale, tous ceux qui ont participé. Je crois que c'est un bel exemple de réflexion. Au départ, c'était un débat judiciaire, mais je crois que c'était un débat universitaire, dans le bon sens du terme, disputatio, réflexion, avec des étudiants de théologie, de philosophie, qui sont partis, j'ai vu, du Siedel, du droit, de l'hyper, voilà. Donc, je crois que c'est une belle expérience. Alors, bien sûr, on a entendu des bonnes choses. En écoutant ce que disait M. Tancer sur les petites choses, les petits pas dans la vie de tous les jours. Je me rappelais que, Jessica, moi j'ai été avocat avant d'être prêtre. Et on essayait de vivre une certaine forme de charité dans les relations entre avocats, puis les relations avec le personnel administratif, le secrétariat. Et on faisait une chose toute simple qui nous est du bien,
c'est que de temps en temps, après le déjeuner, on allait chacun déjeuner bon, avec, entre nous ou avec d'autres, de temps en temps, eh bien, on se retrouvait, tout le personnel, et on jouait aux billes. Eh bien, ça faisait du bien, ça créait du lien humain. On était tous au moins à égalité, et on jouait aux billes, il y en a qui gagnaient, il y en a qui perdaient. Voilà, mais c'était un jeu. Je crois que la place du jeu, c'est, voilà, c'est le souvenir que j'avais en écoutant les témoignages de tout à l'heure. Et puis le fait de ne pas rester seul, hein, c'est vrai, on entend ça. J'ai accompagné pendant quelques années une équipe des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Ça revenait constamment à la solitude du dirigeant, la solitude par rapport aux décisions, etc. Et je crois que on a des possibilités pour vivre avec d'autres, et notamment, je pense à des mouvements d'église. Hein, il y a des mouvements d'église, il y a des lieux où on peut, voilà, partager, échanger. Je crois que ça, c'est intéressant. Et puis le beau mot de charité, merci pour ce beau plaidoyer, hein, Dominique, mais que je partage beaucoup. Et en vous écoutant, j'avais en tête cette belle l'hymne à la charité, hein, de Saint Paul dans la première aux Corinthiens. Hein. Parmi les dons de Dieu, cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Voilà, ce qu'il y a de meilleur pour nous et donc pour les autres. Hein, je crois que c'est bien. Alors, c'est une belle réalisation. Merci pour l'avoir accompli ce soir. Misons pour qu'on fasse une autre fois avec davantage d'étudiants. Hein, voilà, on verra sur une meilleure communication, une meilleure implication, mais je crois que c'est un bel exercice à renouveler. Merci à vous tous et puis bonne soirée. Et Pierrick pour la retransmission. Voilà. Et à notre aménateur. Merci beaucoup.